la chapelle de la Sainte Trinité d'Alzin. Ce lieu de culte fut construit en 1737 par les moines chartreux de Rethel. Il fut restauré en 1954 et de nouveau en 1991 par une équipe de volontaires d'Alzin. Cette chapelle faisait partie du domaine du moulin de la Holischpach, situé en face et détruit par la guerre de 39-45. Le moulin, le secteur d'Alzin appelé Ellig, ainsi que les villages d'Oberdorf-Odenhofen appartenaient jusqu'à la révolution de 1789 aux moines chartreux de Rethel. Cette chapelle était donc un lieu de repos et de prière pour les voyageurs et servait sans doute à lire la messe pour les moines visitant leur domaine. Au centre, une splendide peinture de la Sainte Trinité, dessinée avec amour par Madame Delmas Lucie de Bouzonville en 1954. À droite, une sculpture dans la pierre jaune représentant la Sainte Trinité, exécutée en 1990 par Cody Fernand d'Alzin. Deux magnifiques sculptures en bois de chaque côté de l'autel représentant Saint Éloi et Saint Nicolas ont disparu en 1976. Elles sont aujourd'hui représentées au mur par des photos.